Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Fallout 4. Donc pour une astuce un peu spéciale, c'est pour trouver le Fat Man. Donc le Fat Man que voici. Donc une arme que tout le monde doit rechercher dans Fallout, car c'est la meilleure, faut dire ce qui est. Donc on va voir ensemble un petit peu comment on va se rendre là-bas. Donc ça se trouve dans une décharge robotique, à cet environ-là. Donc on va faire le chemin ensemble, de toute façon. Alors. Donc moi je vous conseille de contourner Sanctuary Hills. Bon après pour les débutants, si vous vous repérez pas, passez par Sanctuary Hills, excusez-moi. Donc moi je vais contourner parce que sinon faudra traverser le lac à pied. Donc je préfère éviter les radiations déjà. Puis pour les nouveaux joueurs, vaut mieux contourner aussi parce que si vous n'avez pas de quoi enlever les radiations, vous allez vite mourir sans armure assistée. Donc malheureusement, j'ai pas trouvé de munitions de Fat Man donc dans cette décharge. Donc on va trouver que le Fat Man avec un réacteur à fusion et un circuit imprimé de qualité militaire, un truc dans le genre. Donc ça reste quand même utile. Et ça peut motiver certains à faire de l'exploration pour rechercher des armes, pourquoi pas. Et par la suite, je ferai une vidéo pour vous donner les localisations des munitions de Fat Man. Donc j'espère que je vais pas galérer à tous les trouver. Et je vous mettrai ça dans une vidéo regroupée avec tous les lieux où vous pourrez trouver des munitions de Fat Man. Donc je sais pas quand, mais ça va venir. Donc là, on arrive vers la décharge, il me semble. Alors, elle doit être à 100 mètres encore. Elle est derrière une montagne. Donc, bah voilà, du coup, on va déjà se rendre à la décharge. Et puis, je vais vous faire une petite démonstration du Fat Man. Donc si vous faites tout bien, vous allez arriver par ce grillage. Donc le Fat Man, il est à gauche, il me semble. Faites gaffe, Ouais, c'est ça, il est les là. robots Donc militaires vous le s'émeuvent prenez. vite quand on touche à la propriété du Hop, bon, je gouvernement. suis trop lourd, c'est pas grave, Ils je voulais sont vous montrer la caisse avec le réacteur à fusion qui se trouve à côté du robot Sentinelle. Hop, alors on va descendre, toc. Donc voilà, le fameux circuit imprimé avec le réacteur à fusion. Et comme ça, vous avez accès au Fat Man. Donc je vais prendre une petite position pour tirer. Donc là, il y a quelques ratopes qui vont s'exciter quand je vais tirer. Donc, on va voir ça. Donc, vous voyez le Fat Man de position en bas. Donc, l'arme la plus puissante que vous pouvez modifier, que je vous conseille de modifier, de toute façon, pour lui donner plus de dégâts et plus de portée, c'est faisable, selon les accessoires. Et hop! Et on voit ce que ça donne un petit peu en Bien image. joué! Donc là, il y a les ratopes qui... Non, c'est bon. Ils sont morts. Vous avez vu, c'est quand même bien fait, hein. Le style mini-bombe nucléaire. Ça bouffe pas trop l'image. Et la dernière munition. D'ailleurs, ça en tire deux à la fois. J'ai jamais compris pourquoi. Donc voilà, un petit peu la beauté du Fat Man. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette astuce en va en aider plus d'un. Et bah en tout cas, je vous dis à bientôt sur une aventure de Fallout 4.